Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Thank you.
années 53 et 54 sont dominées par ces œuvres qui marquaient les publics par leur chaleur, leur pureté, qui gardent leur fraîcheur jusqu'à ces jours. L'African Jazz du Grand Calais est le seul orchestre invité à Bruxelles à agrémenter la table ronde où devait se décider la date de l'indépendance. À l'occasion, les artistes musiciens congolais présents à ces assises ont légué à la postérité la chanson Indépendance Tcha-Tcha et les deux au rang des hymnes nationaux des indépendants. Surnommé Grand Calais, il voyait en cela un signe de grande responsabilité. Je suis la cheville ouvrière de l'Ouest moderne. Quand on m'appelle grand, je sentais que les personnes qui m'appelaient déjà à l'époque, vieux, je sentais qu'ils ne m'insultaient pas, je sentais qu'ils voulaient donner à moi une réconciliation. De tout temps, son contemporain, Rochero Tabouley, a toujours reconnu Calais Jeff comme son patron. Mon patron, mon dieu de la musique, c'est Joseph Kalasele. Dans côté African Jazz, orchestre Mokote avant 59 dans côté. Le 11 février 1983, à l'âge de 53 ans, Calais Jeff perd la bataille devant la maladie qu'il avait déjà menée. Un dernier hommage lui fut rendu par ses nombreux fans en sa résidence. Comme à la cathédrale, une messe a été célébrée par son oncle le cardinal Joseph Albert Madula. Depuis la date du 11 février, est devenue une date où les amis, connaissances et mélomanes rendent hommage au Grand Calais. C'est le cas du Camerounais Manu Dibango, qui, de son vivant, à chaque visite à Kinshasa, ne manquait de se recueillir sur la tombe de son ami Calais Jeff. 40 ans après sa mort, les œuvres de Calais Jeff sont toujours autant recherchées par le public. Donc, les 40 ans déjà, et je l'ai dit tout à l'heure, Madame Claudia Sassou a traversé le fleuve pour rencontrer la patronne de la culture du Congo démocratique afin de peaufiner un programme pour rendre un hommage mérité au père de la musique congolaise moderne, Joseph Fatanas, Kamasi Tchamaladi, Grand Calais. Et puis, toujours dans ce registre de disparition, il y a la disparition du très célèbre éditeur Alain Mollet. Alain Mollet qui avait sa maison d'édition sur la place Victoire. Il a eu à éditer les œuvres de beaucoup d'artistes, de Papa Wemba, Yoka Longo et tant d'autres. Alain Mollet s'en est allé, essayer que les Congo musicales, les mélomanes, mais aussi ceux qui l'ont connu et apprécié, l'ont conduite en sa dernière demeure, que l'âme de Alain Mollet, l'éditeur Alain Mollet, avec sa mission, les éditions Mollet, repose en paix. Puis ce message de Sédico, Sédico International et de la famille Kim Jong-di informe aux amis, aux connaissances, la mort de leur papa Kim Jong-di Serafin, décédé le 26 janvier 2023. Et voici comment se présente le programme de papa Kim Jong-di Serafin, papa de Sédico International, porte-parole du Watson, vendredi 3 février, veillée mortuaire, à la résidence familiale sur l'avenue Guéminal numéro 3. Nous sommes dans la commune de Kassavubu, Diaso et Tupi, Kassavubu, référence non loin des Bongolos. Et c'est le samedi 4 février que papa Kim Jong-di Serafin sera conduit en sa dernière demeure. La levée du corps aura lieu à la morgue de l'hôpital Saint-Joseph. Contact pour plus de précisions 09 99 935 516. Nous partons à New York pour vous parler de cette artiste. Elle s'appelle Anado Kabika, Manka, cinéaste de son état. Et bien, elle nous informe qu'elle vient de sortir son deuxième single intitulé Give Me Your Love, qui a connu le coaching de Charmant Tokole. Et cette œuvre musicale, Give Me Your Love, est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement depuis le vendredi 20 janvier dernier. Pour te rappeler, et bien, Anado est tout simplement la nièce. Et King Kester est mené à un tour en image pour la retrouver dans son deuxième single, Give Me Your Love, Anado Kabika, depuis New York.
Anna donc avec qui Jibukana, Kinshasa, Monsieur Zebuka avec la sortie de balle de match et Kinshasa, eh bien l'occasion papa chéri félicite tonton Baba Mwanateba qui a marié hier sa fille Babette Mwanateba à Monsieur Alstor Taïbode. La soirée a eu lieu, feu congolais, une soirée agrémentée par papa chéri lui-même qui a fait le déplacement de Paris pour agrémenter la soirée de la fille de son tonton Baba. Il était présent également l'homme moderne. Constant Marie, et note également la présence de l'honorable bienvenue Lyotan Jolie, mais aussi celle de Civic Bonodjoie, tous réunis autour de Tonton Baba Mwanateba et sa femme Mérène pour célébrer le mariage de Babette avec Aristote. On va parler de Férigola. Jésus de Nuance, nous parlons de Férigola, nous suis depuis la Ville Lumière à Paris, en France. Et dis bonjour à la grande équipe de Férigola. Bonjour, Tonari. Alors, Bizorbi, Makaus, Bisoloni Nuana, message Nino, Jésus de Nuance à Bodin Antempo. Bon, message de première fois de passer dans le cadre de variété, matin 2020. Ah, mais comment Comment Pour pas parler au bal, on écoute un peu, tout le monde avant déjà. Bon, 2023, on a petit cas de deux. On va saluer ma mère, finalement, la couleur, Bissou Bana, je suis de Nios, mon triangle, le padre Férigola. Donc, Bissou Bi, les uns et l'autre, le padre, à mon avis, bêtement vite fait pour. À mon avis, nous quittons comme il va qu'on voulait qu'il le fasse. À mon moment, on a mis ça, c'est tout. Nous, on est monde aussi, bah, il faut rien, la camerounaise, la française, la tête, 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 la c'est les dynasties des appels à la catamarouse. Et puis les bandes des arrêts, nous pas de ça, pour la plein. Et puis cette fois-ci, à commission de pénard, nous sommes à c'est-à-dire, là, nous sommes à l'écart, à la d'abord à collègue, qui va y avoir ça, et le bout, pour la nous avons accès, nous avons dans les je régule les pattes, un poste que j'ai salé depuis Paris, à Zoro. Bon, mais la bino de l'eau, il y a Kafou, nous y avons des athées pour nous. Mais pour là, pour là, mais pour les années, pour la mine, tout le groupe se porte comment? Groupe super bien. Très bien. On se met à l'issue de son petit. Mais c'est ça, je sais pas, je sais pas, je sais pas, comme d'habitude, ça vise les deux, c'est ça. Ah, qui c'est pour d'abord, papa chérie, nous aurions dit, nous quittons tout le monde. Nous aurions dit, sur le bois, il y a la bise, c'est nous quittons tout le monde. Cette fois-ci, nous quittons ça, mis en otage, je n'ai pas les pattes de la bise. Mais recrutement d'un groupe, c'est qu'est-ce qu'il y a un manque d'effectifs? On est un manque d'effectifs. Et ça, on n'est pas prêt à chasser le chômage. Alors, nous pouvons pas oublier ça. La maternité n'a pas calme. Et bon, on ne peut pas. Donc, tu as laissé les chances de nous régler là-bas. Moi, je me fais mon nom. Non, il y a un bailleur. Bailleur, bête à winner. C'est la bonne maison. À Paris, il y a un programme. À Paris, il y a un programme. Mais ça, on a tout ce qui m'a fait. Férigola soutient les padres sur TikTok et puis
Super Ecola, soutenez les patrons sur Instagram. Je remercie Chico Simici, Nico Kaye, les formateurs des boss, le PDG Paul Moutou, Louis Yébal et Jonathan Yébal, sans oublier certains matins. On va permettre aux nombreux téléspectateurs de cette émission à travers le monde de savourer Bizorbi de Ferrigola, une œuvre qui est aussi appréciée par Gabriel Titendé et Silencieux. Ferrigola dans Bizorbi. Type News confirme sa production au Stade des Martyrs le samedi 24 juin et le 1er juillet. Kakao Benganzembo annonce à son fils les champions de la rumba. Chanteuse chrétienne, la sœur Godé Bondawa Kuchila et le Bachet Temba de 16h jusqu'à l'aube. La chanteuse le 10 février au village Chetemba. La Diva se produit le dimanche 26 février pour commémorer les 46 ans de la création du groupe Diva la Musica. Ce sera chez Hollywood Plaza à partir de 16h. Une production de PDG Magico. Chanteuse Pindistar, la reine Pindistar, annonce la sortie de son album Terminus pour le lundi 30 janvier 2023. Un album réalisé en Kimia DS Mukami annonce la sortie de son Israël Ngoma, annonce la sortie officielle de son single Nakumisio, déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Chanteuse Anado Kabika, qui vit et évolue à New York aux USA, vient de sortir son deuxième single intitulé Give Me Your Love. Musicien Furious Pablo, auteur de la très célèbre chanson Mutibiti Kwanza Mukongo, est parmi les nominés de la 7e édition de la Culture Award et demande à ses nombreux mélomanes de voter pour lui. Musicien Babel Boukassa, ancien du groupe Wenge El Paris, annonce la sortie pour le Timba, annonce la sortie de son nouveau single intitulé « Cette nuit de louanges » disponible en écoute et en téléchargement légal. C'était le carnet des différents rendez-vous et productions de nos artistes et musiciens. L'actualité, c'est l'arrivée de Saint-Parakinchasa le mardi prochain. À l'occasion, Eric Mayoni, l'homme aux actions concrètes, annonce son arrivée à Kinshasa pour faire bien sûr partie de ces chrétiens qui vont célébrer l'arrivée du Saint-Père à Kinshasa. Madame Rufine Louyé, la PDG de l'ISIPA, invite tous les étudiants de l'ISIPA d'accueillir le Saint-Père au nom de leur institut supérieur et bien sûr et à l'honorable César Paciotiamo qui va disponibiliser à sa façon quelques bus pour aider les chrétiens catholiques à assister présent lors de l'arrivée du Saint-Père au Congo démocratique. Je le rappelle, c'est dans 2 jours exactement. Je dis bonjour à Roger Gande, bonjour. Bonjour Blanchard Moussaka. Bonjour. Bonjour à Francis Libaya, bonjour. Alors Francis, on va parler de... Avant pour le bon dimanche, dans un tour de contrôle, mon patron est Viti Watanabe, les 005, mais c'est le chanteur. Vraiment, un grand merci à la Spiritas, la fanatique pour tous les soutenir Bissou. En 2022, on a fait plus de 60 concerts, sans compter dans un concert privé, dans la guest, nous sous quoi. Là, déjà, tout le monde qui est en Angola, nous avons déjà qui chasse ça comme prévu. Et la répétition, la Bissou, ils ont déjà chaque mardi, jeudi, tous les abonnés, nous avons tourné. Moi, dans les Spirit des armes à Gombe, côté à Royal Ouana, Bayawana parti à 20h, et Viti Watanabe à Ozanana Bangouana. Et puis les samedis, tous en concert chez Karine Kama. Samedi, concert des Awana, en face, et à Pâtisserie Nouvelle. Tout bien ici, Batoulet, tu vas mettre Paul Djonga, avocat par excellence, Baya vraiment est béni. Mais il dit que l'Afrique du Sud-Bazo et de l'Andabiso et pas Yannick et Kini à terre à filmer. Adolphe Moute Bachilamouina, Pab Mouki les Dispatchantes, Mandela Westonna, PDG Trésor Rolandi Baota la Bissou, sans oublier, apôtre Abel et Maya depuis Paris. Le vendredi, il est à Spirit. À Spirit Showcase. Et c'est bon, ça y est, Spirit. À Tisserie Nouvelle. Merci beaucoup, Abiel. Pour ce rendez-vous de vendredi,
de Riti Watanabe chez Spiriti. Il y a Denis Debamboro depuis Matadi qui annonce sa présence à cette activité. Et il y en a Matos Kouvoa Matadi qui sera là également de Kassa, la production d'Héritier Watanabe. Et depuis Strasbourg, eh bien, Mamie Leba, Justin Boudi, Ali Makengo et tous souhaitent une heureuse, très belle année à Héritier Watanabe. On va revenir à l'image pour vous poser un extrait du concert d'Héritier Watanabe au niveau du stade de Martyr, un événement qui est resté dans les annales, une belle production, de la très bonne musique pour faire plaisir à Justin Boudi, Ali Makengo. Depuis Strasbourg, nous sommes en France, mais aussi pour ce temps, bon dimanche, à Franck Keto, au Côte d'Avignon, Saint-Georges, hérité au Watanabista de Martyr. Chérie à Colise et à Lissano, dans la province de Lolara, chez Fifi Masuka Saïdi, un événement absolument vivre, la tête à Colise, vous avez déjà vous savez là. Il y a vraiment du gaz et du pétrole, n'est-ce pas, Eugène? On s'en fout du reste. On s'en fout, oh là là, on s'en fout. Bonjour. Alors, parle-nous de Papa Chérie. Ben, Papa Chérie, je vais bien, va bien, très bien, mais je peux vous dire vraiment épouser. Avant la sortie de notre puce, balle de match. On prestait au moins 6 fois la semaine et maintenant ça a débordé et ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien d'autant plus qu'il est entre les deux avions. Il faut finir avec la deuxième partie et la troisième partie de notre plus balle de match. Comme il est dit lui-même, si balle de match était une nourriture, vous allez manger à votre faim parce qu'il faut récompenser les 10 ans que vous avez attendus. Heureusement pour nous, l'album marche très bien. Merci aux extrémistes de la bonne musique qui consomment avec excès l'album balle de match. Du coup, il est venu spécialement le vendredi pour une prestation donc, à l'hôtel du feu. Et ça s'est passé hier. J'aimerais vous remarquer la présence de Mamie, il est là. Et là, il va reprendre son rôle tout à l'heure pour repartir en France travailler et regagner vite fait encore Kinshasa pour traverser à Colisée, respecter les rendez-vous qu'on a là-bas, les 11 et les 12. Du coup, je salue. Le silencieux, le président Gabriel Tshitende, donc le président du club national des sous-traitants, Nord-Boutiné, qui passe toujours le frère ma bancaire. Merci à Patrick Kassenda, nouveau Patrick Kassenda qui est lui. Merci infiniment à Dominique Litanda. Merci à Sid Boy, Saïd Dimanza Kamalion. Il est intelligent, il est beau, il est friqué et il a une adresse cadastrale là où il a imposé son cabinet. Je parle de maître Et puis
Laboratoire de Nairobi. Nous venons de recevoir ce communiqué de presse du groupe Bamaviva qui nous annonce que l'artiste et musicien Beya Wabeya, alias Bendoson, est révoqué du groupe Bamaviva à dater de ce jour. Bendoson ne pourra plus jamais engager l'orchestre Bamaviva. C'est signé Kako Ditoube Simon Apocadero, Nola Gikoto Kapampa Miyake, Matianga Mazaza Stella Womo et Henri Noël Mbutavoka. Le commandant de bord, Donna Mobetti, présente ce vœu à tous ces nombreux fanatiques du groupe, très célèbre groupe Kavasha, qui a fait la pluie et le beau temps ici à Kinshasa dans les années 75-76, avec des tubes à succès comme Chéri Cadette. Aujourd'hui, il nous revient avec Sukuse Kachone. Kachone, qui est sorti, on a célèbre ses 58 ans du groupe Kavasha, mais aussi ses 50 ans de mariage. Bon anniversaire, commandant de bord. Eh bien, nous vous le proposons dans Sukuse Kachone pour souhaiter un très très bon dimanche à Christian Boboli qui nous suit à Lubachi, mais aussi à la grande dame Chimène Mercedes Zema. Bon anniversaire à Péri Kalambay qui nous suit. Heureux anniversaire Péri Kapalay, nous veut de bonheur ce dimanche à Péri Kapalay. Bon anniversaire. Et aussi bon anniversaire à Péri Kapalay, oui, mais aussi à madame. Maloumbela, journaliste à la direction des Infos TV, souhaite un joyeux anniversaire à ses grandes sœurs Véronique Mbélé. Péri Kalambay qui nous suit, heureux anniversaire. Péri Kapalay, nous veut de bonheur ce dimanche. Péri Kapalay, bon anniversaire. Et aussi, bon anniversaire à Péri Kapalay, oui, mais aussi à madame Maloumbela, journaliste à la direction des Infos TV, souhaite un joyeux anniversaire à ses grandes sœurs Véronique Mbélé. À Wilson était à Idiofa, sous bien sûr la conduite de la fondation Hugues Pouloussi Eka. Il y a eu beaucoup d'affaires réalisées lors de ce jour, très court certes, mais très profond, riche en activité de Wilson à Idiofa. On commence d'abord par proposant l'entrée, l'arrivée et le rassemblement des messieurs Hugues Pouloussi Eka au niveau de la ville d'Idiofa. On s'en trouve juste après. Thank you.
avec une pression. Et c'est pour me faire faire du dopa. Mon message n'a pas dit, et il ne doit pas. Mon ami, il ne doit pas sur le bouvier. Mais le message m'a dit que c'est mon livre, il ne doit pas dire. Moi aussi. La côte. Mais vous avez votre piège. Vous m'avez dit ça. Oui, là, la côte. Mais vous avez dit, piège. Tiens, ça voulait, tiens, ça t'avait dit, ma ça. En tout cas, moi, je ça merci pour le CTK. Il doit. La chose, c'est un affaire à la collège Diofa. Sans m'intéresser à parler de Diofa. Vraiment, le que j'ai, c'est mon même. Parce que le de la main en masse, on se voit la masse, et de la masse à tous les jours. Bonjour. Bonjour, madame. C'est la première fois qu'on reçoit sur ce plateau. Tout à fait. Fait partie de la fondation Hugues pour le CIEGA qui a mené une action au niveau du Diofa. Alors, je commence avec vous. Le sens de ce déplacement, mais aussi des différents actes posés par la fondation Hugues pour aussi lors de ce séjour à Diofa, à Roi de Cru. Effectivement, madame, moi je suis le coordonnateur de l'événement qui a eu lieu à Diofa. Ok. Dans le cadre de la fondation Poulous, si l'événement avait un caractère social, Maître Pouloussi, en tant que fils du Diofa, il a compris ou il a suivi le cri d'alarme des Fadiolais, comme on les appelle, et qu'il y avait assez de problèmes là-bas. Mais d'emblée, il s'est dit, avant que je fasse ma descente à Diofa, je vais faire des forages pour donner de l'eau, parce que Diofa est sur une plateau, mais il y a quelques collines, il y a un problème d'eau. Okay. Et c'est comme ça qu'il a fait faire des forages, comme vous avez vu. Et aussi, il a pris les soins, parce qu'il y avait une équipe qui était à Diofa, bien avant sa descente, pour vérifier les quelques cas qu'il y avait, les urgences qu'il fallait essayer de sauver la situation. Il a apporté quelques matelas pour deux ou trois hôpitaux. Ok, d'accord. Et parce que c'est une œuvre sociale, l'évêque du diocèse d'Idiofa, Monseigneur José Moko, a accepté de parrainer cet événement. Il a dit, les œuvres sociales, c'est ce que nous voulons. Pour nous, si, en tant qu'un jeune d'Idiofa qui vient avec sa fondation à caractère social, le diocèse doit l'accompagner. C'est comme ça qu'il était. C'est comme ça qu'il était là pour nous. C'est pratiquement au diocèse qu'on a été logé. On avait toute une équipe et qui était logée pratiquement dans les installations d'hébergement du diocèse. Alors, c'est aussi l'occasion qui s'est présentée pour Maître Pouloussi, comme on était au début de l'année. Le mois de janvier, c'est le mois d'échange de vœux. C'est le mois de partager la joie et la bonne année avec ses frères. Maître Pouloussi a, à cette occasion, demandé à ce que Wérasson puisse animer cette ambiance festive à Idiofa pour qu'il puisse célébrer la bonne année avec ses frères. Nous allons partir à Idiofa pour vivre cette ambiance formidable qui a régné lors des deux productions de Wérasson. Il y en avait populaire et puis VIP. Toujours à Idiofa. Retour en image, que sur Benga et Kassongo pour revivre la production du phénomène. Il y a un cadre de Wérasson et son groupe de musique à Maisonnaire au niveau de Idiofa. Bien sûr, c'est des images qui vont rappeler des bons moments à Maître Hugues pour le CIEGA, mais des images également qui vont beaucoup faire plaisir à Malami Kadjaba, le mystérieux de Dieu. Ils ont un dégât matériel, docteur I. Voilà. Alors, je reviens à Sankara. Oui, en tout cas, il y a mamie le banquier. Il y a mamie le là, en tout cas, il doit faire tomber. Donc, ma plaie, ni moi, n'a mon aura un stade, dans le Amadou Tchabi, à Betsaki Bagouingé. Vous
Junior Ossas, honorable Dédé Mpassa et Ludi Diofa, Wadene Moulamba et Patrick et Alé, tout Vandal, tout son terrain verra par rapport à ces images. Alors, avant de passer à Mouana Sankara, pour moi, commenter, enquêter sur le. Alors, Maître Dadou, pour le compte de la Fondation, 2023 est année du soir. Oh, maintenant, ce maître Hugues Akosa, continue à se lever, je te invite à Pandik, à la mini pété pour. Non, en fait, et là pour en avoir le bas, exact, maître Poulousi, Aza d'abord avocat, Salam Salanae, Salam politique, et puis à qui vous la bande de Naka de la fondation. Après si ma maman il est au moni, après si ma maman là pour que ma maman na hôpital, na hôpital va bota bien tout ça. Mais c'est vrai qu'en partant population, beaucoup en niveau. Au client, mais ils sont en mode de beauté, tout ça. Ceux so qui caca au postulé, ils sont en mode de l'émission Kende, ils ont carte de lecteur, ils ont postulé pour la bisso. Les gens criaient, Maître Poulou, c'est certainement à réfléchir là-bas. Mais... il va continuer à réfléchir sur demande à Bande Gounaye, parce que pour la Bande Gounaye, non, nous avons mon beauté. Il ne fait rien, il n'a jamais rien demandé à Idiofa. Tchéli Bango Bamaï. Je voulais aussi préciser que Fondation pour nous, ce n'est pas seulement Idiofa. Fondation pour nous, c'est un couvrir ressort national. Comment démocratique. Voilà, même ici à Kinshasa et même à Mikiliapoto. Exactement. Même à Mikiliapoto, membre de la Fondation. C'est quoi la Nicolosoya? On a reçu la paix, moi, contre la Nina Bandepoya. Fondation pour nous, c'est un Idiofa. Merci de mettre la débouche à l'Orsanka. Oui, en tout cas, vraiment, c'est bon. Spectacle ouais la salle où on a un autre monde à monter tout le monde avant la Bercy Bassinit mais pas la vidéo faut pas profiter de la vie de la CPL parce que le monde n'a image le monde ouais la salle tellement ça rassemblait à ce mois on a édité la coste le bazar est sorti ça fait bande de nous à ce mille des sons et puis à ce mille sous chat inglés le monde maladon quelque part aux hommes on a créé réconciliation ça partout donc en tout cas on a félicité maître Hugues Poulou c'est parce que l'eau va bouiller la majesté de Salina concert au Betty, où est la son tant à côté, où on a la Dorbino, là où on a plané moi de spectacle. En tout cas, où est la son, merci, Fondation Aka, Ipoulos, Issoussou, merci, mais là où on a fait ça là-bas. Il y a mon moni, même son excellence Nicolas Kazadi. Le bien, en tout cas, s'appelle la geste, son excellence Nicolas Kazadi, pour y avoir un mouton, il y a la majesté bien, et puis il y a Marie Tchabi. Alors bien, en tout cas, s'appelle une amour, Samba Bachilipe. C'est pas une macambo, en tout cas, la repère sa bonne image dans son excellence Didier Manzenga et puis Boss Ibra, Mutakani Lemba et puis Stéphane Niakero, Dev Djelo, Otto Silva de Bossanité, son excellence Antoinette Nsamantata, ministre Amine, merci beaucoup. Vraiment, donc déjà, je tiens à saluer mon boss, le big boss de la forêt. Merci à la fondation ECA pour nous, parce que c'est pas donné à tout le monde de penser aux autres. Ça, c'est l'une des potentialités qu'a maître Hugues et qu'a pour lui. En tout cas, bravo, félicitations. En tout cas, vous avez déjà les remerciements et les félicitations de Philippe Mouabi au niveau de l'Angola, Dédé Mopas, Amon de Passe, Junior Ossens, Thierry Rongonda, Madonna Monica, Freddy Maloba, Dodo, maître Dodo Ndondo, je vous salue de là où vous êtes, ainsi que Papi Mvula, le spécial quoi, trésor. Alors, Michael Basque, Suxanayo. Oui, moi, je voulais justement dire aussi, d'abord, merci. Fondation des Poulous, parce que moi, mon père, mes ancêtres, mes parents sont des vieux frères. Okay. C'est ma première fois d'aller là-bas, okay, et voir les coins, comment est-ce que, qu'est-ce qu'on pourra faire aussi dans les jours qui viennent, tant de rejoindre pour ma coquille. J'ai dit comme ça, un bon dimanche à Maître Kanikla Kalaoué.
fille d'Amico. Je n'oublierai pas le docteur Zizema Sikini, docteur Hassan. On est à la fin, les patients, bien sûr, mais c'est notre femme. Ce message que nous demandons à Jamion Binami de suivre consciencieusement. Ouais, merci, Mamie Léla. À deux ans, en direct à Chicago, les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup. On a les mauvais gars et pour tout. On a pu s'en voir de se lancer par rapport à l'année où tu étais concerné la Gamba Moulou, la Edio Famé. Avant la Gamba Moulou, on a pu d'abord voter ma Yébou pour le boss Shiva. Prémitus, mais c'est le boss Shiva, il y a des grands sponsors dans le bon monde de Rubin, ça m'a roté. Alors voilà, est-ce que vous êtes bon dimanche par colonel Basile, bon dimanche par colonel Foster, et puis bon dimanche par Arsène, Tamouka, il y a Tembe, voilà, sans oublier Coco, Mitega, sans oublier le patron Domi Moutombo, honorable Patrick Mignon, Obama, Obama, CP, la base, Baba, Baké. De façon dont on voyait Wana. En tout cas, Patrick Moni Mokoula, ceux qui ont été députés au son Parlement, nous a permis. Vraiment, en tout cas, un bon dimanche à Patrick Moni Mokoula, Wagoma. Voilà. Sans oublier la lobby, Mamile et la Monica Lelo, Igo Tanzan Akila, qui sont représentés, remplaçant valable, Mamale Mabola dans la très bien. Il faut estimer la lobby. Dans ce qu'on investit dans la lobby, Mamile Mokoula, Babé, avec une bosse libre à Banque Centrale. Vous avez dit que Banque Centrale, Talagayou, on a Moïse, on a Moïse, parce que ça a l'air vraiment, on a voyé un peu calaté pour moi, et puis, tout beau sanité, mamie, honorable Daniel Mao, celui-là n'a pas compris, mais vous avez un intelligent côté. Pour la pérennité et solidarité, dans l'amour et la joie, toutes les communautés nous disons. Boye et l'amour, Caribou Kwetu, bienvenue chez nous, Kwisa Yamoke, Jifika Jimena. Voilà, on est à la fin de l'émission. L'événement, c'est bien sûr l'arrivée de Saint-Père. Il y a Bélange Ibongo, Madame Bélange Ibongo, qui sera là, qui sera là pour assister, vivre des visus, l'arrivée du pape. Wademi Moulamba également, Mireille Wakaki, Junior Saint. Tous se préparent à recevoir le Saint-Père, sans oublier David Mangaï. Maître Dodo Boto, nous sommes à la fin de l'émission. Un dernier mot. Comme ça, c'est qui est en vote. Exactement. Nous disons merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés à Idiofa. Et nous disons également merci, merci à la population d'Idiofa et pour le soutien et pour l'accueil. Donc, pour très bientôt. Merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis en ce dimanche. C'est la fin de cette émission. Un grand merci à notre caméraman, les femmes. Joyce Apalako, merci à Pechou Mengala Gassombo, héritier Katendi, la grande équipe de la RTNC, Dieudonné Yangumba, bon dimanche à Gabriel Titendi, les silencieux, à Amadou Jabi, sans oublier David Mangaya, et bien sûr, les Loïc. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.